Hey, on part du coup pour une toute nouvelle vidéo, les gars, c'est parti, let's go pour Skin Aléatoire Challenge de la saison 1 du chapitre 1. Le concept, lui, est hyper simple. Vous allez vite fait le comprendre juste avant ça. Je me permets de vous dire de mettre le code créateur Romain dans la boutique, puis d'accepter. Merci à tous, attention, il s'enlève toutes les 1 semaine ou 2 semaines. Attention, faut faire gaffe, faut surveiller. J'ai mis des skins en aléatoire. Ça, c'est le concept, hein. Vraiment, le concept de base est super simple. Je le fais à chaque saison car je kiffe ce concept, j'adore. Je vais mettre mon skin en aléatoire. Si jamais je tombe sur ce skin-là, ce sera seulement les armes grises. Sur ce skin-là, seulement les armes vertes. Sur celui-ci, seulement les armes bleues. Sur celui-ci, seulement les armes épiques. Et sur Oscar, la bestiole, ce sera les armes légendaire. Interdiction aux armes mythiques dans tous les cas. Mon skin en aléatoire, c'est mis et c'est parti, ça commence. Ok, les gars, voilà du coup directement dans la game. C'est parti, nous avons les armes grises. Ok, on a de la chance, on est directement tombé sur un pompe gris. Donc, ça, c'est quand même la chance. Parce qu'on aurait pu tomber sur une arme pas grise et là, ça aurait été le caca. J'ai l'impression que je fais ça dans toutes les vidéos, quoi. Dans toutes les vidéos, je dis le caca. À un moment dans la vidéo, il y a forcément le mot caca qui sort. C'est obligé. Ouh là là, attention, une arme verte. Attention, hein. Seulement les armes grises, on a dit, hein. Ça, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ça, on n'a pas le droit du tout. Ça, là-bas, ça fait des dégâts, donc c'est non. Ici, qu'est-ce qu'il y aurait? Ça, on a le droit, ouais. Tac. Ça, ouais. Alors d'ailleurs, ça, les gars, ça fait des dégâts et c'est bleu. Donc d'ailleurs, ça, on n'a pas le droit non plus. Putain, wesh, on a 2 fioles maintenant. Na 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 na. Suis en train de me dire, les gars, qu'en fait, un médaillon, ça sert à rien du tout. Parce que. sert à rien du tout. Parce que de toute façon, je pourrais pas prendre l'arme mythique en fait. Attendez, mais je réagis que maintenant alors que j'ai eu le temps d'atterrir, j'ai eu le temps de faire plein de choses là. Attends, mais c'est. Enfin, je fais n'importe quoi. Je fais vraiment. Bah non, j'ai pas le droit à l'arme. C'est quoi l'intérêt? Ok, discrétion max, ok. On y va. Quoi faire, bro? Donc là, les gars, faut se dire qu'on a le meilleur stuff qu'on peut avoir probablement dans toute dans toute une partie, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Le pompe épique, mon pompe préféré en épique, les gars. Tellement je le voulais, quoi. Putain, fait chier. Par contre, on peut quand même, et ça c'est bien quand même, on peut quand même rajouter des trucs sur nos objets. Et ça c'est cool quand même, parce que bon, je sais jamais que c'est quoi les mieux, les gars. Donc bon, on prend des petits trucs, on verra bien, quoi. Ah bah parfait. Il manquait pile poil une petite AR améliorée, tu vois. Tu vois Philippe, c'est parfait ça. Hop, comme ça on a à peu près tous les viseurs, on est pas mal. Petite poignée. À chaque fois je mets la poignée, à chaque fois je mets ça, voilà. Hop. Allons-y, pourquoi pas. En plus le pire c'est qu'il n'y a même pas un ennemi quoi. Genre vraiment, il n'y a personne. La Villère. La Vichler. Pire ville du monde. Jamais j'y vais. Ah voilà. Ok, on va redépenser des lingots, c'est pas grave. Mais on va absolument prendre ce pompe là car c'est 10 fois mieux en fait. D'accord. On est d'accord. Non mais oh. Avec ce petit canon là, cette petite poignée là totalement parfaite là. Même si on peut pas mettre celui-là, on va quand même mettre celui-là, c'est pas grave. Avec. Ce petit viseur là, là. Ah ouais. Oh oui là c'est de la bonne quoi. Là c'est de la bonne là. Comme on aime. J'ai tendance à en faire un petit peu trop mais bon. Voilà. Faudrait quand même, enfin ça serait bien que personne l'ait quand même. Parce que bon, ça me ferait un peu chier que quelqu'un la prenne. Dans mon dos et que au final du coup j'aurais tué un boss pour rien. Ça me ferait un petit peu chier quand même. Donc on va essayer de la cacher quand même un maximum.
Mais après, bon, si quelqu'un là est là, hein, de toute façon, on s'en fout. On a le médaillon. Le médaillon, c'est quand même un bon truc, quoi, franchement. Tu as un boss, souvent, tu as un boss aussi pour l'arme, mais aussi pour le médaillon, quoi. Enfin, surtout pour le médaillon, même, je dirais. Donc, c'est pas grave. On a une bonne partie. Enfin, c'est pas mal. Non, ça va. Franchement, je trouve qu'on s'en sort bien parce qu'on a quand même un médaillon. Malgré nos armes mythiques, je veux dire nos armes mythiques. Non, bah non, justement, on est très très loin des armes mythiques, quoi. Parce que pendant que nous on a ça, justement, les autres ont des armes mythiques, ouais. Ouais, et ça, c'est la merde. C'est ça. On est tombé vraiment sur les pires armes du monde. J'avoue, j'ai même pas débattu avec vous, hein. On a vraiment les pires armes du monde, les gars, hein. On peut pas avoir pire. Alors, ok, c'est simple à trouver. La preuve, on a déjà notre full stuff. Mais par contre, à côté de ça, on n'a rien du tout, hein. Genre, waouh. Toujours plus de grosses. On va prendre que des grosses potes, hein. De toute façon, on a un médaillon, donc en soi, les grosses potes, ça sert qu'à ça, hein. Enfin, je veux dire, ça servait à rien de. Ça servirait à rien de prendre des petites potes, quoi. C'est ça que je veux dire. Ok, on va prendre ça. Et puis, on va gaspiller un petit peu la bouteille, je pense. La bouteille, là, elle est où? Qu'on avait testé d'ailleurs dans une autre vidéo il n'y a pas très longtemps, hein. On a vu, ça va. C'est pas mal, c'est pas mal. Et hop, les. Tac, les. Merci, la petite boubou. La petite boubou. C'est ma coquine. Ma copine, pardon. C'est ma copine. La petite boubou, ma copine. Coquine, hein. Coquine, là. Du coup. On était rendu. Voilà, c'est ça. On allait aller au prochain ennemi. Là-bas, ça tirait. Voilà, on allait. Ouais. C'est ça qu'on allait. Allez, du coup, on y va, quoi. C'est ça. Par contre, les gars, bon, j'ai l'impression que je le dis à chaque vidéo maintenant, mais non, en vrai, non. En vrai, non, je le dis pas souvent. Je crois que la deuxième fois que je le dis, mais la pioche que j'ai, elle est monumentale, on est d'accord. Elle est incroyable. Je veux une note sur 10. Quoi? Bah, Mbot. Pardon, mais Mbot. Ok, Mbot. Ok. Mbot, non mais là c'est dit, vous avez vu? Vous avez vu la même chose que moi? Pardon, mais non, c'est non. C'est un grand nom. C'est un grand nom là. Ma pioche, regardez ma pioche, les gars, comment elle est trop belle. Ma pioche, comment elle est trop belle. J'en fais trop parce que le temps que j'attends que mon shield se remonte en fait. Sauf que déjà il prend beaucoup de temps à monter. Bah ouais, va dans le buisson, petit cheater, va. Ah mais il m'énerve en plus, hein. Coquin. Par contre, en vrai il est vraiment chaud mais il cheat, quoi. Enfin, pour la balle qu'il m'a mis dans le buisson, je suis vraiment pas d'accord pour le coup. Le reste, oui. Ça, non. Mais le reste, ok. Je dis ok. Je dis oui. Tu vois, je dis oui. Tu vois, je suis pas embêtant comme garçon, tu vois. C'était ok. La petite balle dans le buisson, ça, j'avoue, c'était un petit peu trop, quoi. Voilà. Non, mais il faut poser les limites, tu vois ce que je veux dire. Là, c'était bon. Hein? Voilà. Tu vois. Voilà quoi, on en rediscute. Parce que bon, je mets un replay, mais bon, j'étais quand même bien dans le buisson à un moment. Faut pas trop abuser non plus. Je veux une note sur 10. Quoi? Ah ouais. J'ai envie qu'il. Putain, il est chaud, hein. Franchement, il est chaud le petit bâtard. Hein. Ton petit skin Bambi là, tu pues la merde, mais t'es chaud, hein. Tu pues la merde, mais t'es chaud, mon petit gars. Je vais pas dire le contraire, hein. Il est pas si mauvais que ça non plus, hein. Problème, c'est que j'ai des armes grises, quoi. C'est tout le problème et tout le but du challenge aussi, quoi. Wow, une couronne, ça m'intéressait pas, en fait. Putain. Chose, bah. Oh là, j'insulte. Ça sera un bipé au montage, j'espère. Je mettrais un petit son un peu électro. Pas du tout, pas du tout. Je sais pas ce que c'est une musique électro, donc non. Bon, un son, quoi. Ou sinon. Oh putain. Ah non, je sais pas si je peux. Peut-être que je peux.
Je mettrai par-dessus le gros mot que j'ai dit là, le petit bas. Je mettrai par-dessus un son que je vais faire maintenant. Piiiip. Voilà, je mettrai ce son là par-dessus. Je me débrouillerai, mais je mettrai ce son par-dessus. Je le veux. En même temps, quand t'es en fight, puis qu'après il y a le deuxième qui arrive, comme un fils d'up, il vient ramasse. Bah forcément, c'est. Depuis quand il a du maïs lui? Enfin, pourquoi il a du maïs surtout? Parce qu'à la limite, ok, mais bon, du maïs, enfin. Pour un kit, je sais pas. Pour moi, non. Même pas. J'espère que c'était lui qui était en haut de moi. En vrai, je pense que oui. Mais si c'est lui, c'est bien quoi. Je suis bien du coup là. Hein, mon petit gars? Ouais, je pense que c'est lui. Il y a moyen que ça soit libre, sinon ça me tirerait dans le dos. Ça me tirerait dans le dos. Il est parti là? Bah. Quoi? Pardon? Bah, attends, j'aime plus les buissons maintenant, hein. On se rappelle pourquoi? Je veux une note sur 10. Quoi? Ah oui, ok, oui. Oui, c'est normal, c'est tout à fait normal. J'ai appris, les gars, qu'apparemment, dans ce bâtiment-là, il y a forcément un coffre mythique. Effectivement. Ouais, mais on peut pas la prendre l'arme, de toute façon, je suis con, moi. On peut pas prendre l'arme, c'est le but du challenge. C'est le but du challenge. On ne peut pas prendre l'arme. C'est le principe du challenge. Du challenge. Oh là là. Ok, encore un médaillon. Et je rappelle qu'on a toujours que des armes grises depuis le début, hein. Les gens qui doivent me regarder actuellement doivent se dire, mais attends, mais le mec il a que des armes grises et il gère, hein. Oh putain, mon pompe préféré, je le cache. Je le cacherai mieux après. Ok, bon, ça va. Si on tombe sur ce genre de mec là de temps en temps, moi ça me fait plaisir, tu vois. Là ça me fait plaisir. C'est pas souvent, hein. Mais là, un petit mec comme ça un peu nul, ça me va. Putain. Et j'ai des chaleurs là, hein. J'ai des chaleurs. Qu'est-ce que je raconte, quoi. Putain. Oh, mais les armes mythiques de partout. Oh là là. Là c'est le chapiteau le plus rentable, quoi, vraiment. Tu soulèves le chapiteau, frérot. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. Tu veux quelque chose, bah il est là, quoi. Franchement, il est là. Bon, c'est la fin de partie, on est plus que 3. Ça se trouve, on va être mieux dans... Alors ça serait fou quand même. Bah, on est déjà mieux. On est plus près du top 1 dans cette vidéo là. Que dans la dernière vidéo, les gars, que j'ai fait, où je sais plus que trop ce que j'ai fait, mais en la dernière vidéo en Battle Royale que je parle, que j'ai fait, on était top 8 à peu près, et il n'y avait pas de contrainte, quoi, on était normal, tranquille, quoi. Donc franchement, je trouve qu'on se débrouille pas mal. Après, faut quand même savoir viser, ça reste quand même un minimum dans ce jeu. Voilà. Oh, mais j'ai 3 médaillons. Attendez, les gars, attendez, mais on est... Excusez-moi, mais on est tellement bien. Excusez-moi, monsieur en haut là-haut là. Monsieur en haut là-haut là. Oh là 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 là. Pff, je deviens bourré, moi. J'ai un peu bourré de la street, moi. Non. Bon, ça n'a... Là, il y avait pas de jumeau, il y avait rien. C'est... Voilà. Ça, c'est une bonne balle. Bon, après, il a un... Voilà, il... J'ai pas de mots, là. Je suis un peu stressé. Chaud, 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 là. Chaud, cacao, chaud.
Cho, le cacao. Stop. J'y dis stop, d'accord? Parce qu'il est parti directement dans la prochaine zone. Ce que je comprends, c'est un choix quand même plutôt stratégique. Oui, il est vraiment parti tout là-bas. Ok, et en vrai, je comprends. C'est vraiment une bonne idée. Petit connard, quoi. Très très bonne idée. Franchement, hyper bonne idée même. Parce que la zone, c'est après, c'est ce qui va mettre très très mal, quoi. C'est ce qui est un peu chiant dans une partie Fortnite. La zone. Oh ouais hein, Philippe hein. Oh 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 hein, Philippe hein. Stop, faut arrêter les sottises. Oh les sottises, oh c'est un mot que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça. C'est un mot qui a pas dépassé les années 40 quoi. Et les sottises, oh, un petit, allez un peu moins. Enfin un peu plus, je veux dire. Allez, une 1960, allez. Allez, et voilà, c'est tout. Et après, il a pas dépassé quoi. Ah, je suis plus près de la prochaine zone que lui. Il va devoir bouger dans ces cas-là. Il est dans le caca dans ces cas-là. Le caca dans ces cas-là. Ça fait caca. La la ta ra ta ra. Rappelons que je vais faire top 1 sûrement avec des armes grises. Rappelons-le, j'y croyais pas du tout. Surtout avec toutes les armes mythiques à cette saison. Tous les médaillons qu'à cette saison. J'y croyais absolument pas. Et au final, on est là. On est prêt pour faire ce top 1, pour gagner cette partie. On est prêt, on est là. On va gagner, on va le faire. On est là tous ensemble. On parle un peu trop parce que du coup, je me déconcentre en parlant. Après, je suis un peu stressé, donc ça évacue le stress. Mais après, on a pas beaucoup de PV. Je parle beaucoup trop, je parle beaucoup trop, je m'arrête plus. Quand c'est comme ça, tu vois, ça arrive de temps en temps, je m'arrête plus. Et là, ça devient un peu énervant. Ça commence à faire mal à la tête, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Comme disent les jeunes. Mal à la tête, quoi, Koubaka, mal à... Oh là là, excusez-moi, je suis désolé les jeunes, je suis désolé les jeunes. Personne dit ça en plus, je suis vraiment désolé. What the... Fuck is that, bro? Ça reste franchement, pour lui et moi, de très beaux fights. Franchement. Ouais, je l'applaudis. Non, alors non. Oh putain, ça a décalé toutes mes armes. Ça a inversé toutes mes armes surtout. Oh le petit bâtard. Oh, c'est pas de sa faute, hein. Oh, mais je me dirige même pas du bon côté. Je me dirige même pas du bon côté, frérot. Attends, je range mes armes. Voilà, merci. Oh, j'ai plus de build non plus. Il a raison de farm, hein. Putain, il est intelligent jusqu'au bout, celui-là. Hein. Putain, choqué. Choqué, choqué de son intelligence, lui. Jamais vu un mec aussi intelligent en finale. Putain, pourtant, il est pas si fort, hein. Rappelons-le, je peux gagner. Mais là, j'ai plus de build. J'ai plus de build. Putain, c'est la fin. Fais chier! J'ai plus de shield. J'ai plus de build. Aïe, aïe, aïe. Putain, il a pas de mérite. Il a pas. Je venais juste dire avant que c'était un très bon match et qu'il avait du mérite de gagner, mais bon.